Rinnoviamo il nostro benvenuto molto cordiale. Do subito la parola al professor Trovarelli, delegato del Rettore alla Ricerca, per il suo indirizzo di saluto. Grazie, Sara. Thank you, Sara. And I speak in English. I think it's fine. Good morning to everybody, and thank you for coming here. I want also to thank all the people that I believe are connected through remote connections. Of course, my name is Alessandro Trovarelli, and I'm the delegate of the Rector for Research. And I warmly welcome you all here in Udine. It's a pleasure to bring also on behalf of the Rector, of the Director General, and all our community the best wishes for your presence here for this conference. It's a pleasure to see a lot of people here. This, I believe, is one of the first conferences that is held in presence, and I hope now the pandemic is over, hopefully. First of all, I want to thank all the people that have contributed to the organization of this meeting, particularly the Laboratory of Writing and Translation Studies of the Department of Language and Literature of our university, which is, I believe, the soul behind this conference. I want also to thank the International Center for Plurilingualism of the university, which has also contributed to the organization of the meeting. Also, I think that this conference is a part of a more complex series of conference, and I want also to thank all the institutions that somehow have contributed to the organization of the previous conference and helping the organization of this conference. The University of Western Brittany in France, the KU Leuven in Antwerp, the University of Suor Orsola Benincasa in Naples, and the Bilkent University in Turkey in Ankara. So thank you very much for helping our university in addressing this conference. When I was asked by Fabio to come here and to say a few words of welcome, I just give a quick look to the program, and I saw that many lecturers were in French, and I told him, "I don't know French, what should I do?" "Well, no problem. We are in for the conference in four languages. So I'm a chemist, I'm not using four language conference," and I was very happy to see that you can manage and you can shift easily from one language to the other. I grew up in this region, and I grew up learning two languages, the Italian language and the dialect or the language of our region. But when I grew up and I start moving around for my professional career and had to stay abroad for several times, I just pick up a little bit of English, and the more English words I picked up, the more dialect words I forgot. So my brain basically is done for only one and a half languages. So it's very difficult to me to understand how you can shift from two or three languages at the same time. But apart from jokes, I went through the program, and I've seen that the topic that you have been focusing, you will focus, which is the simplification in translation and writing, is a very it's a very interesting topic. And of course, simplification is a must in an ever-connected society. You must simplify, but you have to convey the correct message. So the simpler, the better, but in a positive way. I've also seen that you look at several disciplines, but I've seen around mathematics, medicine, literature, theater, disabilities, several things. And I believe that looking from several perspectives, you can give, as the output of this conference, a message which is not only useful for specialists, but also for the society and for all the university community. Just a few. I've been for several years coordinator of a PhD program, and I realize that students have PhD students have a lot of problems in scientific writing. So in our course, but in general, in all the scientific disciplines, I found very difficult to address the formation of people in scientific writing, and this should be something that really need from your expertise to
to address. I believe that scientific writing in our discipline is not very much linearly connected to the knowledge of English, but to several other aspects that probably should be analyzed more in detail. Anyway, I just coming back to the conference, I just want to warmly again wish you a nice period here in the university. Also, I hope you can enjoy the city of Udine, which is not as big as the other cities that have been hosted previous meetings, like Istanbul or Antwerp or Brest or Naples, but I think it's a charming city and you can certainly enjoy our food. You can enjoy our wine, especially. This is a good region for wine, as you might know. So we are in competition with French wine. So again, thank you all for being here, and I wish you the best for the meeting. Bene, io ho studiato inglese, mi sono laureata qua molti anni fa, però my English is a little bit rusty e quindi parlerò in italiano, piano piano io insegno letteratura spagnola, ma dunque è una grande gioia, è una grande soddisfazione, un grande onore poter essere qui a inaugurare queste belle giornate organizzate da dei cari colleghi e come i professori Saidero, Jammerneg, Gerolimic, Regattine, Vecchiato. E queste giornate si declineranno su tre tra le lingue più importanti fra le nostre 11 lingue, anzi 13, perché da quest'anno a mediazione culturale abbiamo inserito cinese e arabo anche, che sono inglese, l'inglese, il francese e il tedesco. E nel 1973 un nostro insigne linguista, Gianfranco Folena, parlava dei volgarizzamenti, di come la traduzione sia iniziata volgarizzando, quindi la semplificazione ovviamente sta alla base dell'interpretazione traduttiva, no? Di questi ponti che continuamente costruiamo tra lingue diverse, culture diverse. Però anche serbando, e questo penso si colleghi molto bene anche al discorso sulla semplificazione, serbando comunque la consapevolezza, come diceva Walter Benjamin nel lontano 21, ma è ancora molto attuale, la consapevolezza della diversità, no? Dell'alterità che risiede in ogni lingua, in ogni cultura, che il traduttore deve con cui il traduttore deve continuamente avere a che fare. Quindi davvero è una grande gioia vedere qui radunati, come diceva il professor Trovarelli, esperti da molte università italiane e straniere di diversi paesi, a parlare di molti ambiti che riguardano anche la nostra didattica, i nostri corsi. Per esempio l'anno scorso la professoressa Vecchiato ha organizzato un incontro molto interessante sul rapporto tra intelligenza artificiale e traduzione con due colleghe dell'Università di Torino. Poi si parlerà di un argomento affascinante come la traduzione dell'umorismo, si parlerà di terminologia tecnica, di divulgazione legata a questo importante progetto di redattologia che conducono i cari colleghi di lingua e traduzione francese e che entrerà a far parte dell'offerta didattica legata al piano strategico di Ateneo nel secondo semestre con un corso specifico. Quindi parlo anche ai nostri bravissimi studenti di mediazione e della magistrale di traduzione e mediazione culturale, che oggi sono qui in massa ad aiutare. So che avete lavorato moltissimo e che lavorerete molto in questi giorni in seno al convegno. Ci saranno tutta una serie di iniziative legate al piano strategico vincolate proprio alla traduzione. La prima, soprattutto a partire
dal secondo semestre. La prima che vi annuncio già è un incontro informativo con una delle principali associazioni nazionali di interpreti e traduttori, la ANITI, il 15 dicembre alle 11 qui in Palazzo Antonini con la responsabile locale del Friuli Venezia Giulia, Barbara Turchetto, e in collegamento, quindi faremo anche in streaming il collegamento, la Presidente, la dottoressa Tramontano. Io vi lascio la parola e vi do i saluti, vi porgo i saluti della nostra direttrice di dipartimento, della professoressa Fabiana Fusco, e sono molto lieta di essere qua anche in rappresentanza del nostro dipartimento, che ha una grandissima componente di linguistica e letteraria. Grazie, buon lavoro. Complimenti. Grazie Renata. Alors, je passe un instant au français, juste pour signaler ce multilinguisme qui est là depuis le début, hein, parce que, comme vous l'avez vu, on a commencé avec de l'italien, avec de l'anglais. En tant que francisant, je vais faire quelque chose d'assez iconoclaste, parce que, bien que ce ne soit pas ma langue, je vais essayer quand même de vous dire quelques mots en anglais, de façon à ce que cela soit compréhensible pour tout le monde. Donc, bienvenue à toutes et à tous. Et là, je passe à un anglais qui a été heureusement revu et traduit par notre collègue Deborah, et donc ce n'est pas moi qui l'ai écrit. En anglais, je voudrais parler surtout de ce réseau TR, qui est un réseau auquel je tiens beaucoup et qui m'a vraiment donné beaucoup. Donc, je voudrais exprimer ma gratitude pour ce groupe d'universités et ses collègues qui ont organisé beaucoup de colloques à partir de la moitié des années 10, on va dire. So, alongside the institutions and people who have made this conference possible, just mentioned by my colleague Sara, we must also mention and thank another important network, namely the TNR network, which stands for Théorie et réalité en traduction et rédaction technique, Theories and Realities in Translation and Technical Writing. Our conference is, indeed, the seventh organized within this network, which started its activity back in 2011, thanks to the collaboration between Jean-Yves Le Dizès from the UBO Université de Brest in France, who cannot be with us today, and Winibert Segers from KU Leuven in Antwerp, in Belgium, who is on his way to Udine and will join us tomorrow. Over the years, Jean-Yves and Winibert have expanded the network by gathering a number of international scholars, most of whom we have the pleasure of having with us here in Udine. After the first three conferences held in Brest and Antwerp in 2011, 2012, and 2014, the TNR conferences were hosted in Naples in 2016 by Emilia Di Martino, from the Suor Orsola Benincasa University, in Antwerp in 2018, and online in Istanbul in 2021 during the pandemic, by Emine Demirel, who now works at Bilkent University in Ankara. The past conferences explored a variety of topics, including common sense and translation and technical writing, ethics and deontology in translation and writing, translating writing science, creativity in translation and interpreting, writing, translating travel, and translating writing as mosaic. This conference, as we said, it is the seventh of the series, is entitled Translate, Write, Simplify, and focuses on an apparently simple but nevertheless rich topic, which we are sure will give us a lot of food for thought in the next few days. When the organizing committee read the numerous proposals we received, we immediately realized that our initial ideas and expectations were not as clear-cut
and as imagined, and we are now convinced of one thing only, that writing, translating, and simplifying intersect in infinite ways, many more than those we had initially imagined. The approaches and points of view from which the papers will address the topic in the next 3 days is so diverse and multifaceted that any attempt to summarize it is pointless. Now, I would like to invite Professor Chiara Elefante and Professor Nicolas Froliger to take the stand and to officially begin the opening sessions of our conference. I wish you all a pleasant and mind-blowing conference, and long live TNR. Rester là où tu t'assois. Parce que pour la présentation. Voilà, ce serait plus simple peut-être si tu t'assois justement, parce que comme ça on pourra ouvrir. Alors. Voilà et voilà. Ok. Alors, en même temps, si tu peux mettre en mode. Oui, je vais faire ça. Alors, je vais partager déjà l'écran. Ok. Et là, voilà. Bonjour. Bonjour. Bonjour à tous et à toutes. Et j'aimerais tout d'abord remercier les organisateurs de ce colloque de m'avoir invité, car il s'agit, je pense, d'une occasion très importante pour réfléchir sur un sujet, celui de la simplification, qui mérite sans aucun doute notre attention. Je dois dire que j'ai longtemps ressenti que les translation studies, ou si vous voulez, la traductologie, se trouvaient un peu dans une impasse. Car après le cultural turn et la conscience que l'interdisciplinarité était la voie royale afin que les études sur le processus de la traduction acquièrent véritablement leur autonomie disciplinaire, il y a eu, je trouve, une période de pause, une sorte d'arrêt. Je ne le dis pas en général, mais je veux dire, on ressentait un peu un moment de pause. Car les réflexions, les études, malgré la volonté affichée de dépasser les antinomies qui ont longtemps caractérisé la discipline, on sait tous très bien qu'il y a toujours eu cette opposition entre l'attention à la lettre versus l'attention au sens, mais également d'autres oppositions plus approfondies, plus, disons, plus ciblées, telles que la traduction comme appropriation coloniale versus la traduction comme forme d'émancipation, ou alors plus récemment la traduction sensible aux études de genre versus la traduction qui perpétue quelque part une situation un statu quo. La liste de ces oppositions pourrait continuer, car on pourrait en ajouter beaucoup d'autres. Eh bien, les études, donc, malgré la volonté de dépasser ces couples antinomiques, sont souvent restées victimes d'une pensée que nous pourrions définir binaire. Mais j'ai l'impression que récemment, les choses sont en train d'évoluer et qu'un vent de nouveauté pourrait effectivement à nouveau souffler. Et ce colloque, je pense, en est tout à fait le témoignage. Le colloque est la preuve qu'on peut repenser certaines notions à l'aune des histoires des traductions
En s'appuyant donc sur l'historicité que toute traduction comporte et doit comporter. On peut, par exemple, reconnaître l'importance de l'apport fondamental d'Antoine Berman aux études en traductologie et en même temps, comme on le fait aujourd'hui, repenser par de nouveaux paradigmes la simplification qu'il définissait une tendance déformante. Aujourd'hui, on a le droit, la légitimité de repenser tout cela en trouvant une sorte de nouvelle place dans l'histoire des traductions et dans l'histoire de la discipline de la traductologie. Je suis donc très contente d'être ici aujourd'hui, de pouvoir écouter toutes les interventions qui s'annoncent très enrichissantes. Et je vais donc vous présenter M. Nicolas Fruliger, qui est traducteur pragmatique et qui co-dirige aujourd'hui le master professionnel en industrie de la langue et traduction spécialisée à l'Université de Paris. Il est co-directeur du Centre d'études de la traduction, vice-président de l'Association française des formations universitaires aux métiers de la traduction et membre du conseil du réseau EMT, le master européen en traduction. À l'origine des colloques dits de traductologie de plein champ, il a publié Les noces de l'analogique et du numérique de la traduction pragmatique chez les Belles Lettres en 2013. Il anime également la liste de diffusion traductologique francophone à laquelle, j'imagine, on peut s'inscrire. Vous y êtes tous chaleureusement invités. Voilà, voilà. Donc, et avant de venir, j'ai lu le résumé de son intervention qui m'a fascinée. J'ai donc hâte de l'entendre parler. Laissez-moi juste vous dire une dernière chose qui m'a particulièrement sollicitée, car j'ai lu dans son résumé les chiffres et les nombres, c'est aussi du culturel et encore, il dit, l'univers auquel convient les mathématiques est essentiellement reposant. Il s'agit d'une considération, disons, courageuse, mais qui a évoqué chez moi une réminiscence qui m'est particulièrement chère. Je veux la partager avec vous, car dans son texte « La traduction de la poésie », Yves Bonfoy affirme en effet « Si nous aimons à traduire, c'est parce que c'est une merveilleuse occasion de se reposer. Pour ma part, c'est dans les moments de fatigue que j'éprouve le plus le besoin de m'asseoir à ma table de traducteur. Et voilà qui me reconduit à la poésie, cette fois encore, j'entends à celle que pour ma part, je cherche à écrire. Une partie de nos nécessaires périodes de silence, de ressourcement des mots dans le silence, c'est aux abords de la traduction qu'on peut la placer, quand nous rencontrons les mots d'une autre langue. » Fin de citation. Or, nous savons très bien qu'Yves Bonfoy avait fait des études en mathématiques et philosophie avant de se consacrer entièrement à l'écriture et à la traduction poétique qu'il a accompagné véritablement jusqu'au dernier jour de sa vie. Donc, mathématiques, repos, traduction, un réseau tout à fait inédit, je dois dire, mais qui va, je le pressens déjà, nous mener très loin. On ne pouvait, je pense, rien espérer de mieux pour ouvrir ce colloque qui est si prometteur. Je cède donc la parole à M. Fruliger en le remerciant d'avance de ce voyage, dans ce parcours vraiment inédit. Merci. Eh ben, vraiment, merci infiniment. Si je me mettais à parler italien, personne ne me comprendrait, probablement moi non plus. Pour commencer, après ces chaleureuses paroles qui me vaudront au cœur, je voudrais remercier moi aussi vraiment très chaleureusement les organisateurs de ce colloque. D'abord pour leur invitation, parce que c'est un honneur. J'essaye de faire fonctionner cette présentation PowerPoint, mais ça avance modérément. Voilà, ça commence à avancer. Non, c'est bon, c'est parti. Okay. D'abord, cette invitation, elle est, je dois dire, un peu intimidante. Mais cette gratitude, elle va au-delà de mon petit amour-propre. Parce que, en fait, le sujet de cette manifestation m'a ouvert les yeux.
je dois le dire, sur une constante inconsciente de mon activité d'ex-traducteur pragmatique, d'enseignant en traduction et de formateur au métier de la traduction. Parce que finalement, et je ne me l'étais jamais dit avant, qu'est-ce que je cherche dans ces différentes incarnations? Eh bien, la simplicité. La simplicité, c'est-à-dire ce qui ira droit au but chez ceux à qui on s'adresse, puis la simplification. C'est-à-dire ce qui rendra possible cette efficacité tout en couvrant la plus grande variété possible de cas. Donc, dans notre domaine, hélas, tout ça n'a rien de simple. Rien de simple parce que, d'abord, cette question, elle me semble pouvoir être abordée de bien des manières. J'ai pensé à une approche cognitive. Quels sont les mécanismes mentaux à mettre en place pour élaborer une traduction qui fonctionne, moyennant une dépense intellectuelle aussi réduite que possible, parce qu'on est tous des êtres paresseux, et en intégrant en outre de plus en plus le recours aux outils. Se pose ensuite la question de l'accès aux connaissances spécialisées. Comment faire pour livrer à un destinataire qui est expert de son domaine un document qui lui donne l'impression d'avoir été rédigé dans sa langue par un de ses pairs. Ça, c'est le quotidien des traducteurs. Et puis, à l'autre extrême des savoirs spécialisés, il y a de quelle culture générale les traducteurs ont-ils besoin pour faire correctement leur travail et comment l'acquérir à l'ère d'Internet. Et donc, vraiment, autant de questions qui mériteraient chacune une série de colloques à part entière. Et du coup, j'en proposerai une autre qui, je l'espère, ne vous fera pas trop bâiller. Donc, d'un usage raisonné des mathématiques dans les textes spécialisés au nom de la simplicité. Oui. Et dans l'univers des mathématiques, j'inclurai ici tout ce qui peut se compter, se calculer, se mesurer, y compris sous forme graphique. Est-ce que ce sujet va être populaire? Je ne sais pas. Mais ce sont les incrédules, et il y en a peut-être parmi nous, dans cette salle ou à distance, que j'aimerais convaincre. Donc pour ça, j'essaierai de rappeler effectivement que les chiffres et les nombres, c'est aussi du culturel, c'est accessible au raisonnement par catégorie, avant de montrer qu'effectivement, comme l'a dit Cara Elefante, l'univers auquel nous convient les mathématiques est un univers essentiellement reposant et pourrait bien même constituer pour nous un modèle heuristique et stylistique. Bon, ce qui suppose d'abord de dépasser les aversions préjudicielles éventuellement héritées de notre parcours de formation antérieur et moi-même. J'ai longtemps détesté les mathématiques sous toutes leurs formes, je dois l'avouer. Par contre, alors je sais qu'il y a beaucoup de traducteurs et traductologues littéraires à ce colloque. Donc, la question de la traduction littéraire, je l'aborderai probablement que par contraste, mais ça pourra éventuellement nourrir la discussion. Par contre, rien n'interdit de s'inspirer de la littérature tout court. Ainsi, d'un des romans les plus somptueusement drôles du XXe siècle, à mon avis, il n'y a que La recherche du temps perdu qui est plus drôle, et qui est aussi une charge furieuse contre le cartésianisme. Je veux parler de Watt, donc de Samuel Beckett. Si vous êtes triste, lisez Watt, ça ira tout de suite beaucoup mieux. Donc, entre mille trésors, il y est notamment question d'une horrible et proliférante famille irlandaise, tout entière tendue vers l'objectif d'atteindre une longévité cumulée de pile 1000 ans. Et donc, le lecteur y fait la connaissance, ça dure 5 pages, de Sean, fils de l'oncle Jacques, âgé de 21 ans, solide gaillard, quoique hémophile également, puis la fille de Franck,
quoique. Bridie, âgée de 15 ans, pilier et soutien de la famille, ne dormant que le jour. Enfin bon, vous avez ça à l'écran. Je passe rapidement. Ça dure 5 pages. Ça dure 5 pages et ça se termine par une note de bas de page. Ces chiffres étant incorrects, les calculs en découlant sont doublement erronés. Alors, effet drôlatique en moins, cette agression contre les tentations comptables, elle me paraît assez représentative, finalement, de la façon dont beaucoup de traducteurs, y compris pragmatiques, abordent les composantes mathématiques comme des éléments décoratifs. Soit en partant du principe qu'ils sont incapables de comprendre, soit en considérant que, de toute manière, il n'y a rien à comprendre. Ce n'est pas la peine de se fatiguer, puisqu'on peut faire du mot à mot. Hein. Le tout souvent enrobé d'une couche affectée de dédain, et moi-même par le passé. Enfin bon, de toute façon, moi, les maths, j'y suis imperméable. Je me fais de nouveaux amis aujourd'hui. Avec quelles conséquences dans l'approche traduisante ? Eh bien, celle de se replier sur les phénomènes de surface. Hein. C'est une illustration métaphorique. C'est le chanteur Philippe Catherine, qui certains le connaissent peut-être, qui est à l'origine de ça. C'est comme l'histoire du psychanalyste à qui on demanderait s'il a l'heure. Hein. Donc, le personnage facétieux qui a écrit « Il est là » répond à une demande qui est linguistiquement possible, mais qui est pragmatiquement improbable, en mettant de côté le contexte, la communauté de discours, et donc la nature véritable de l'exercice trouver X. Alors c'est drôle, en tout cas moi ça me fait rire, mais supprimez l'humour et il ne restera que le renoncement. Parce que finalement, une telle attitude, elle est d'abord, je m'excuse, hein, mais stupide. Elle est stupide vis-à-vis de nos interlocuteurs et de nous-mêmes, parce qu'elle revient à nous dévaloriser, en nous retirant une part de notre agentivité, en oubliant que, comme l'écrivait en substance Terence au IIe siècle de notre ère, Terence pratiquement un Italien, hein, rien de ce qui est humain ne nous est étranger. Donc, allez vous plaindre après que les tarifs sont trop bas. Voilà, il faut être conséquent. Elle est stupide aussi, cette attitude, parce qu'elle revient à se compliquer la tâche. Elle revient à se compliquer la tâche, puisque une bonne partie des textes qui contiennent des mathématiques sont écrits autour des éléments chiffrés. Les mots n'y interviennent qu'en deuxième intention. Ainsi, dans un article scientifique sur l'influence qui exerce l'attraction des planètes sur les taches solaires, on a ça. Donc, so far the study of solar variability has identified 5 solar periodicities. Bon, on énumère les 5 périodicités et puis on termine par the 88-year Gliesberg cycle. Its length varies strongly over the centuries, with peaks of about 55 and 100 years. C'est la partie qui nous intéresse. The longer period prevailed between 1725 and 1850. Traduit par donc une étudiante de mon master, par donc de 55 ans minimum jusqu'à plus de 100 ans. Alors, si je regarde juste les éléments linguistiques, je me dis, mais il y a une erreur là. Mais elle se justifie dans ce commentaire de traduction en disant quoi ? Le texte anglais dit que le cycle dure entre 55 et 100 ans, mais la phrase suivante vient contredire cela, puisque entre 1725 et 1850, et oui, il y a 125 ans et non pas 100 ans. J'ai donc choisi de traduire cette information par plus de 100 ans. En cas de doute, ce sont donc bel et bien les chiffres ou le visuel qui priment. Et en fait, la partie textuelle de beaucoup de nos documents originaux constitue déjà une traduction plus ou moins exacte, plus ou moins habile, d'une source d'information initiale qui est chiffrée ou figurative.
Ainsi, dans la phrase que j'ai trouvée récemment dans la presse, hein, Wall Street thinks a double dip recession is more likely than V-shaped recovery. Eh ben, il faut voir et faire voir hein, le graphique hein, donc à l'origine des expressions pour rendre correctement l'intention de l'auteur, donc à savoir par exemple pour double dip recession, récession en W, donc, et puis V-shaped recovery, reprise en V, ou tout simplement reprise rapide. Et au demeurant, même si la plupart des termes mathématiques peuvent être traduits, comme dirait Marianne Lederer, par correspondance, c'est-à-dire de façon bionivoque, eh ben, il y a tout de même des mots autour des termes. Hein, donc c'est tout ce qui est phraséologique. Alors oui, vraiment, la prise en compte raisonnée des éléments mathématiques nous simplifie l'existence, parce qu'elle permet de resserrer le sens. Il faut donc surmonter les aversions préjudicielles et du coup, se pose une question. Hein, de quelle manière, dans quel esprit aborder ces éléments qui sont souvent essentiels lorsqu'on ne possède pas soi-même un bagage mathématique solide. Voilà, on n'est pas tous professeurs de chimie. C'est peut-être regrettable, mais c'est comme ça. Eh ben, tout d'abord, en prenant conscience que les nombres, ce n'est pas qu'une affaire justement de sciences exactes, mais aussi de langue, de système de signes. Ainsi, bon, alors c'est une évidence typographique que je rappellerai que pour la forme. Les nombres ne s'écrivent pas de la même manière, par exemple, en français et en anglais, bon, qu'il s'agisse de l'usage des points, des virgules, des espaces insécables, du passage du singulier au pluriel même, des débuts de phrases, j'en passe, sans parler de la différence. Et ça, il y a plein de... assez courant qu'on se plante là-dessus en traduction, entre pourcentage, valeur relative, et point de pourcentage, valeur absolue. Tout ça, c'est assez banal, en fait. Et puis en plus, on pourrait me dire, mais une virgule, un point, hein, est-ce que ça mérite vraiment l'attention d'un traducteur, d'un traductologue? Ben oui. Évidemment, parce que ça rejaillit sur le sens. Ainsi, cette nouvelle brève publiée il y a longtemps, hein, mais bon, ça pourrait être hier, dans le quotidien Libération en 2005, donc le chiffre 1,86, une virgule mal placée, et c'est le prix sacrifié en dollars, notez le singulier à dollars, d'un aller-retour sur les lignes intérieures de US Airways. Bon, en pratique, c'est plutôt sans doute d'un point que d'une virgule qu'il s'agissait, le journaliste a francisé, puisqu'on est aux États-Unis. Mais quoi qu'il en soit, mais la compagnie qui avait affiché ce tarif sur son site, elle a été contrainte par un jugement de l'appliquer à tous ceux qui se sont jetés dessus à l'époque et qui ont donc fait une excellente affaire. Comme le dit par ailleurs Christian Baliu, avec une erreur de virgule, par exemple sur le dosage d'un médicament, eh ben, je peux très bien tuer mon patient. Tout ça est une grande banalité. Sauf pour le patient, évidemment. Mais les choses peuvent aussi être plus subtiles. Par exemple, lorsqu'il est question de valeurs approximatives. Ainsi, bon, dans l'anglais, « About a third of children under five suffer from malnutrition », eh ben, on ne traduira certainement pas « environ un tiers des enfants de moins de 5 ans », puisque l'idée d'approximation... elle est déjà contenue dans l'anglais « about ». Du coup, ce serait redondant d'écrire « environ ». Tout ça est assez simple. Hein. Mais la construction culturelle de certaines formulations linguistiques, elle permet également de déjouer certains pièges plus délicats. Ainsi, dans ce texte de presse récent, ben, comment est-ce que je traduirais « sixfold » hein, donc, « The National Rifle Association, NRA, que nous aimons tous beaucoup, « The nation's leading gun lobbying group increased its online ad spending sixfold after the deadly mass shooting at a Parkland, Florida high school last month, according to a news report. » Eh bien, comment je traduis « sixfold » là? Eh bien, je ne sais pas. Je ne sais pas. Beaucoup de non-anglophones, et j'en ai fait partie, dans ma lointaine vie professionnelle,
vont avoir l'impression que l'opération mathématique à laquelle renvoie cette phrase est une multiplication, parce qu'ils vont regarder avant tout le mot « sixfold ». Et par contre, j'ai fait le test, ça marche plus ou moins. Et c'est d'ailleurs, oui, sixfold multiplié par 6, c'est ce qu'on trouve systématiquement sur un concordancier comme Lingui. À tort ou à raison. Les anglophones, par contre, ils vont avoir tendance à y voir une addition. Ils vont tendance à avoir une addition parce qu'ils regardent avant tout le verbe increase. Du coup, ils vont faire cette opération-là. Hein. Donc, c'est dépense avant Parkland plus dépense après Parkland multiplié par 6. Et donc, ils multiplieront par 7. Parce qu'ils raisonnent en termes différentiels. OK, ça, c'est la théorie. C'est la théorie. Et en pratique, eh ben, le seul moyen de trancher, hein, c'est de partir des chiffres bruts. J'ai fait l'expérience sur Internet. Dans à peu près un tiers des cas, c'est multiplié par 7, et dans deux tiers, c'est multiplié par 6. Et donc, on ne sait pas. Et c'est pour ça qu'il faut, il faut raisonner à partir des chiffres, et en l'occurrence... En l'occurrence, c'est par 7 qu'il fallait multiplier. Et si, dans les documents dont nous parlons, les mots sont en quelque sorte la traduction des données chiffrées, eh ben, on va vite apprendre à jongler entre ces deux domaines de représentation. Ainsi, donc, dans un article de la presse économique sur la formation continue, on a bon, the poor record of SMEs. SMEs, c'est small and medium enterprises. Hein. In training is historic. Donc, SMEs are much less likely to provide formal training to their employees than larger enterprises. Bon, à partir d'une telle formulation, pour les parties repérées en gras, ben, il n'est pas interdit d'arriver à la solution suivante. Bon, statistiquement, elles font, les PME, beaucoup moins appel à la formation en bonne et due forme que les entreprises de plus grande taille. Ce qui revient à traduire, finalement, à l'intérieur de la traduction. Jacobson dirait intralinguistiquement. Pourquoi ? Parce que l'adjectif « likely » renvoie à l'idée de probabilité. La science des probabilités, c'est la statistique, je reprends mon exemple, et ma traduction sera plus claire si je restitue cet adjectif par l'adverbe « statistiquement » en construisant ensuite ma phrase autour de ce mot. Et il en va de même, on le verra, pour le recours aux ordres de grandeur et au sens des proportions. C'est pas mal d'avoir le sens des proportions en traduction. Donc, il est raisonnable, en traduction pragmatique, de se fier plus au langage des chiffres qu'à celui des lettres. Et la condition pour ça, c'est de vérifier tout ce qui est vérifiable. Non seulement sur le plan factuel, mais aussi sur le plan des calculs les plus simples, hein, ceux qui relèvent des quatre opérations que nous apprenons à réaliser, si ma mémoire est bonne, à l'école primaire. Et puis ensuite, on oublie qu'on le sait. Mais au-delà des simples questions de différence linguistique, bah, le traitement des nombres, ça comporte aussi, effectivement, essayer de satisfaire la curiosité de Chiara Elefante, une part franchement culturelle. Pensez aux livres de recettes, hein. Les cups et les spoons, est-ce que ça devient des millilitres ou pas? En fait, ça dépend des livres de recettes. Ça dépend des livres de recettes. Donc, je ne sais pas ce qu'il en est en italien, mais en français, j'ai vérifié, c'est variable. Pensez à la manière dont les mathématiques sont enseignées dans différents pays. Eh ben, en fait, c'est très, très variable. Même la façon de faire les démonstrations est différente. Les problèmes sont les mêmes, les résultats sont les mêmes, mais le chemin qui mène des uns aux autres, va être souvent assez différent. Là encore, Jacobson, hein, equivalence in difference, ça nous semble familier. Au-delà, bon, ben, comment je traduis l'anglais « first floor » sur le marché de l'immobilier, et le marché de l'immobilier est de plus en plus internationalisé, fait appel à la traduction. Si je suis aux États-Unis, ce sera rez-de-chaussée, mais si je suis au Royaume-Uni, on parlera de premier étage.
Et évidemment, après, je devrais décaler. Et puis, il y a la question du 13th floor aux États-Unis, ou de son absence fréquente dans les immeubles américains. Voilà, tout ça, c'est culturel. Qu'est-ce qu'on fait en intégrant ces données ? Tout simplement, on se place dans un contexte, afin de réduire l'aléa de la compréhension. À la fois pour celui qui traduit, on a parlé de vulgarisation tout à l'heure, on est complètement dans une logique de vulgarisation là. Et pour celui, et pour son destinataire. Un nouvel exemple, italien, mais vieux. On est en 1997. La maladie de la vache folle a fait des ravages en Europe. Et dans ces conditions, c'est un texte financier, est-ce qu'il faut acheter, vendre ou conserver des actions des entreprises qui exploitent des abattoirs? Donc, une réponse au sujet du groupe italien Cremonini. Connaissez peut-être. Donc, je lis l'anglais. Mad cow disease has had a negative impact on Cremonini, also due to the fact that the first BSE case in Italy, BSE c'est l'encéphalopathie spongiforme bovine, in Italy was found in a cow slaughtered in the group's Ospedaletto Lodigiano plant. The mad cow collective syndrome led to an impressive drop in meat consumption. Jusqu'ici, tout va bien. Enfin, sauf pour les animaux. In Italy, volumes fell by 40%, prices by 20%, whereas in the same period, Cremonini sales fell by 30%. Ce qui m'embête, c'est la dernière phrase. This implied a growth in Cremonini's market share. Quel sens donner à cette dernière phrase, sachant que, bon, volumes, on a peut-être besoin d'un peu de terminologie, correspond par exemple au nombre de bovins abattus, que prices, c'est les cours de la viande, et que sales, ça renvoie au volume des ventes, au chiffre d'affaires, ce qui est le produit des deux premières grandeurs. J'ai eu à traduire cette phrase. Première hypothèse, eh ben, l'auteur de mon texte s'est trompé. Et en traduction pragmatique, c'est tout à fait courant. Et ce serait de surcroît complètement cohérent avec la première phrase, puisque tout s'effondre. Donc, quand tout s'effondre, on ne va pas dire que les choses vont mieux. C'est une différence, ça, avec la traduction littéraire. En traduction littéraire, bon, sauf exception, on a tendance à faire confiance à l'auteur. En traduction pragmatique, la méfiance est de mise. Et le monde extérieur, hein, donc le référent, c'est lui qui constitue notre juge de paix. Donc, si mon auteur a fait erreur, eh ben, la part de marché de Cremonini, elle n'est pas en hausse, mais en baisse. Il a simplement inversé les vecteurs et ça arrive beaucoup plus souvent qu'on ne le pense. OK. Mais cette hypothèse-là, il faut que je la vérifie. Comment ? Eh ben, en mettant du concret sur les mots. Je n'ai pas le temps de développer, peut-être on pourra en parler dans la discussion, mais j'ai besoin d'un concret qui soit à la fois représentable et plausible, c'est-à-dire qui me permette de réfléchir aisément. Et là, je suis dans une démarche de simplification, effectivement. Donc, supposons que le chiffre d'affaires de l'ensemble du secteur que l'ensemble du secteur avant le scandale de la vache folle, donc dans l'année 1, correspond à un volume de 3000 bêtes, je le dis n'importe quoi exprès, multiplié par un cours lui aussi imaginaire de 2000 euros par tête, j'arrive à un chiffre d'affaires en première, avant la crise, de 6 millions d'euros. Ensuite, bon, j'applique les différences, donc 3000 moins 40% multiplié par 2000 moins 20%, j'arrive à un chiffre d'affaires après la crise de 2 880 000 euros pour l'ensemble du secteur. Et ça, c'est une baisse de 52% pour l'ensemble du marché. Du coup, si les ventes de Cremonini ne baissent que de 30%, cette entreprise s'en sort beaucoup mieux que ses concurrentes. Donc, elle gagne des parts de marché. Donc, mon auteur ne s'est pas trompé, c'est moi qui ai fait erreur dans ma première appréhension, et il faut acheter,
des actions en question pour le moment où le secteur se redressera, parce que Cremonini sera alors en position de force. Et du coup, je pourrais traduire par ce qui se traduit en fait par une croissance de la part de marché de Cremonini. Pourquoi en fait ? Eh bien, pour les lecteurs qui, comme moi au départ, se seraient étonnés de lire qu'il y a croissance alors que tout s'effondre. Là aussi, je simplifie et je réduis l'aléa de compréhension. Le traducteur pragmatique, son métier, c'est de prendre son lecteur par la main en lui expliquant ce qu'il y a à comprendre. Et là aussi, c'est une nette différence par rapport à la traduction littéraire. Alors, j'ai parlé plus haut de l'importance du contexte, mais où est-ce que je place celui-ci dans l'opération ? Eh bien, je dirais que la prise en compte de la composante mathématique, ou en tout cas du mode de raisonnement mathématique, nous amène à traduire non pas entre un document source et un document suivable, mais à interposer entre les deux un réel stylisé et représentable, un réel simplifié. Et je crois que c'est vraiment l'essence même de la traduction pragmatique, ce qui suppose au cours de l'opération de se projeter dans le système de valeurs de nos auteurs et de nos destinataires, en commençant par se demander comment est-ce qu'ils mesurent les choses, comment est-ce qu'ils voient les phénomènes. Ainsi, de cet extrait récent, où il est question de consommation d'essence des véhicules automobiles, on est aux États-Unis. Also in the USA, the corporate average fuel economy, CAFE, standard forecast reaching and maintaining a standard of 55.2 miles per American gallon in 2025. Vous comptez la consommation de votre véhicule en miles par gallon, vous ? Non, moi non plus. Moi non plus. Et donc, pour faire passer la fin de la phrase en français, en fait, j'ai un double problème de conversion. Bon, il y a la partie facile, c'est le passage des miles et des gallons au kilomètre et au litre. Mais c'est qu'un début. C'est qu'un début parce que, au moins en France, et je crois en Italie, la consommation d'essence ne se calcule pas en fonction du nombre de kilomètres qu'on peut parcourir avec un litre d'essence, mais à l'inverse, selon le nombre de litres dont on a besoin pour rouler 100 kilomètres. Et du coup, je dois faire deux conversions et arriver à quelque chose comme ça, quoi. 4,261 litres pour 100 kilomètres, c'est ambitieux. Et bien sûr, bon, se pose la question de savoir quand convertir ou laisser en l'état les grandeurs initiales, dans quelles circonstances arrondir. Tout ça, c'est banal. Et là encore, tout va dépendre du contexte, du cahier des charges, qu'il soit explicite ou non. Ce qui a finalement pour intérêt, outre la satisfaction intellectuelle d'avoir compris et correctement restitué, de se mettre à la portée de son public. Céder ainsi de ses connaissances du monde extérieur, ça peut apparaître comme un moyen de se compliquer la tâche, parce que ça revient à interposer une couche supplémentaire et donc des efforts de culture générale, de documentation entre des phénomènes simplement linguistiques. On pourrait se dire, et on se dit parfois, comme s'il n'y avait pas déjà suffisamment à faire avec la langue de départ et la langue d'arrivée. Mais en réalité, c'est le contraire. C'est un moyen de gagner du temps et de la réflexion. Voilà pourquoi, comme ne l'a pas tout à fait écrit Oscar Wilde, en fait, souvent la citation est simplifiée. Les mathématiques sont la simplicité et le dernier refuge des gens compliqués. La simplicité, ça consiste aussi à raisonner à partir des ordres de grandeur. Un autre exemple, là encore tiré de l'actualité économique, on est cette fois en Espagne, donc. Sopra has just announced the acquisition of Organización Gover, excusez mon accent affreux, a small Spanish company, intéressant. This company, 6 million euros, 120 employees, is based in Bilbao and Barcelona and is specialized in banking, industry and government. OK. Première difficulté, l'adjectif small. Si j'opte pour petite entreprise, je renvoie dans le monde réel, en tout cas en France, à la catégorie des sociétés de moins de 50 salariés.
Là, j'en ai 120. Donc, je vais éviter cette association fautive. Je pourrais écrire entreprise de petite taille, par exemple. Autre problème de catégorie, la deuxième phrase. Hein. Comment imaginer qu'une entité qui réalise un chiffre d'affaires, 6 million euros, c'est le chiffre d'affaires. Ça, la connaissance de la traduction financière le dit, mais le texte ne le dit pas directement, puisse être active à la fois dans la banque, l'industrie et les administrations publiques. Ce qui serait en plus aberrant, hein, puisque c'est une entreprise privée. Dans les faits, donc, c'est impossible. Donc, il y a quelque chose que les mots ne nous disent pas et qu'il faut non seulement déduire, mais aussi vérifier, puis intégrer dans le document d'arrivée. Et à la fin, je vais avoir cette entreprise de taille modeste hein, est spécialisée dans les services auprès des banques, de l'industrie et des administrations publiques. Qu'est-ce qui est en jeu ? À travers cette prise en compte des ordres de grandeur et des catégories, et ben là encore, le surgissement du sens. Le passage d'un univers linguistique à un univers pragmatique. Donc, décidément, on est dans une approche analogique du numérique. Analogique parce que le raisonnement de la plupart des traducteurs pragmatiques s'appuie avant tout sur la comparaison. Mais que cette approche, elle suppose, quoi qu'il en soit, une compréhension. Et dans cet état d'esprit, il importe avant tout de savoir distinguer entre les stocks et les flux, entre les valeurs absolues, les valeurs relatives. Voilà, vous avez ça. Groucho Marx l'a dit mieux que personne. Hein. If this man is dead, or my watch has stopped. Ben ça, c'est un raisonnement de traducteur. Pour aller, on pourra franchir ensuite une marche supplémentaire pour passer d'un raisonnement par catégorie à un raisonnement par système, c'est-à-dire qui transcende les domaines. Parce que, en effet, les outils intellectuels qui sont nécessaires pour comprendre différents domaines sont essentiellement les mêmes. Et ça, c'est le monde merveilleux de la systémique. La systémique, donc, qui constitue une approche qui entend réduire les phénomènes à un ensemble de paramètres que l'on va retrouver quel que soit le domaine de spécialité. Donc, ce qui, au demeurant, est la fonction même des mathématiques. Hein. Que l'on compte des castaladines, des étoiles filantes ou des barils de pétrole, ben, c'est avec les mêmes opérations qu'on va compter tout ça. Et donc, il y a une fonction unificatrice des mathématiques par rapport à la diversité des domaines. Alors, à ce stade de ma démonstration, j'ai quand même un scrupule qui s'insinue en moi. Est-ce que jusqu'ici, j'ai été convaincant dans ma tentative de démontrer que les nombres et les chiffres sont là pour nous simplifier la vie? On pourrait faire un sondage express, mais j'ai trop peur du résultat. Donc, je vais m'abstenir. Il y a une chose qui est sûre, en tout cas, c'est que les nombres et les chiffres, ils simplifient la vie de nos auteurs et souvent de nos destinataires. Parce qu'après tout, pourquoi est-ce que ceux-ci y ont recours? Eh bien, souvent pour formaliser un phénomène qu'on va ensuite mesurer pour pouvoir le reproduire. Par exemple, là, on sera dans l'industrie. Le prédire, on sera dans l'économie et les finances, guider une action en général. On sait bien, par exemple, qu'en politique, lorsqu'on veut intervenir sur un domaine de l'activité humaine, il peut s'agir de l'illettrisme, de l'inflation ou des féminicides, il faut commencer par le quantifier, en écartant au passage les données accessoires ou non pertinentes. Et en fait, bah, qu'est-ce qu'on fait en traduction? On fait la même chose. On fait la même chose. Seulement voilà, ce qui paraît limpide à nos auteurs et à nos interlocuteurs, grâce à leur connaissance des mathématiques, par la simplification que celle-ci leur permet dans leur réflexion, eh ben, ça peut nous sembler, à nous traducteurs, parfaitement obscur. Et précisément pour les mêmes raisons. Parce que qui dit simplification dit abstraction. Et l'abstraction, ben, en permettant à certains de prendre de la hauteur, et ben, en éloigne d'autres, nous en l'occurrence, de la saisie du réel. Ainsi de cette phrase qui, comme le dit Pierre Richard dans Le Retour du Grand Blond, film que
les plus anciens d'entre nous ont peut-être vu, est à la fois très simple et très compliqué. Je précise que c'est des finances, qu'on est au début 2022, c'est important, et dans le contexte de l'analyse financière d'une entreprise. Bon, le début, ça va. The valuation looks undemanding. Quelqu'un a envie de lire la suite? On ne sait même pas. On ne sait même pas comment le lire de prime abord. Bon, c'est P of a BV 22E is 1.5x for an ROE of 17%. OK. Pour un analyste financier, c'est limpide. C'est limpide. Pour un traducteur novice dans ce domaine, ça l'est sans doute un peu moins. Et c'est peut-être le moment de se souvenir qu'il y a un certain Descartes, il y a quelque temps, qui a écrit le discours de la méthode, dans lequel il conseille notamment de réduire les problèmes complexes à la simplicité de leur partie constitutive. Alors, je pourrais détailler, mais ça prendrait du temps. Je n'ai qu'une quarantaine de minutes. Donc, je vais juste vous dire qu'ici, tout a un sens absolument précis et complètement accessible et que l'ensemble pourrait au final se traduire par la valorisation semble attrayante, ce qui veut dire en fait que on est début 2022, il faut acheter, c'est le moment d'acheter. Ensuite, les deux points, c'est l'explication finalement. Hein. Le ratio cours actuel 2022 sur actif net par action fin 2022, c'est le E en fait, qui veut dire estimated, est estimé à 1,5 pour un rendement des fonds propres de 17%. Donc, acheter maintenant, donc mettons en février 2022, c'est une bonne idée, compte tenu des évolutions probables d'ici la fin de l'année. La première fois que vous rencontrez ce type de formulation, eh ben, faut faire un petit peu de recherche documentaire, peut-être prendre son téléphone, réfléchir à ce qui représente une dépense intellectuelle considérable. Et puis, ben, si le traducteur a fait son travail correctement, il y aura une deuxième fois. Et puis, après, des dizaines d'autres fois. Et on s'apercevra assez rapidement qu'en finance comme ailleurs, les raisonnements sont toujours les mêmes. Que les phénomènes se répètent par-delà les domaines. Et que peu à peu, ces raisonnements, ces formulations, ça va devenir aussi simple pour nous que pour les spécialistes qui sont nos interlocuteurs. Donc, en fait, en traduction, la simplification, elle est cumulative. Et pour ça, le grand minimum, c'est de ne jamais renoncer à comprendre. Alors, peut-être parce qu'elle est héritière de la réflexion sur ce que Berman, qu'on a déjà cité, donc, appelle les grands textes, la traduction littéraire, donc celle dont je n'ai pas parlé, on va dire qu'elle entretient un rapport peut-être avec l'ineffable. Le texte de départ y est souvent vu comme une source inépuisable de sens, qui, année après année, génération après génération, vont justifier une nouvelle traduction, qui sera presque toujours jugée inférieure à l'original. Tandis que le texte premier, lui, restera éternellement jeune. Donc là encore, Oscar Wilde n'est pas très très loin. En traduction pragmatique, c'est pas pareil. C'est pas pareil parce que la traduction pragmatique, comme dirait l'admiral, elle est intrinsèquement cibliste. Sauf exception, un texte pragmatique va viser l'unicité, la monosémie. Et le traduire, ça suppose de restituer l'intégralité de l'intention prêtée au document de départ, si nécessaire, en améliorant, pour que, au final, le lecteur ait l'impression de la plus grande transparence, de la plus grande fluidité. Pour nos destinataires, la compréhension du document traduit, elle doit demander le plus faible effort possible. Là encore, on est dans une démarche de simplification. Et c'est évidemment, si je me permettais de simplifier Joyce, ça a été tenté, remarquez. Hein. Mais je ne suis pas sûr que tout le monde apprécierait. J'ai une étudiante cette année qui a résumé ça de manière magnifique, je trouve. Traduire pour les ciblistes, c'est prendre en compte le lecteur et produire un texte qui n'aura pas besoin d'être décrypté,
car l'interprétation se fait au moment de la traduction. J'aurais aimé écrire cette phrase, mais c'est elle qui l'a écrit. Corollaire, en traduction pragmatique, il n'y a aucune sacralité du texte de départ, du moins dans sa formulation. Ce qui change radicalement le statut de l'erreur, par exemple. Donc, l'adjectif pragmatique, dans traduction pragmatique, il n'est pas là pour rien. Et c'est ici sans doute que la prise en compte raisonnée des chiffres et des mathématiques peut vraiment nous aider. Alors, j'approche de ma conclusion. Je dois redire à ce stade que j'ai vraiment été particulièrement sensible à la thématique générale des colloques donc dans lequel s'inscrit celui-ci. Parce que oui, simplifier, effectivement, bah, finalement, je le répète, c'est ce qu'on recherche tous, y compris à travers la traductologie. Et en même temps, c'est quand même le moment peut-être d'introduire un bémol. Si les choses devenaient trop simples, est-ce qu'on aurait encore besoin de traducteurs professionnels ? Bon, y a le fantasme de la traduction automatique, mais qui n'est qu'un fantasme. On sait. Bon, y a donc une dernière contradiction là qui serait peut-être pas mauvais de surmonter. Et je me demande si il s'agirait pas de remplacer une simplicité par une autre. Il faudrait dépasser la simplicité des idées reçues, qui abonde, on le sait tous, au sujet de la traduction, par une simplicité articulée, par une simplicité qui est traversée les phénomènes pour parvenir à en discerner vraiment les lignes de force, les ressemblances de famille par-delà les diversités de surface. En somme, une simplicité complexe qui ouvrirait du coup, non pas sur une, mais soyons un peu complexes pour changer, sur quatre conclusions. Tout d'abord, à l'heure où les métiers de la traduction deviennent de plus en plus techniques, de plus en plus pointus, avec une palette de compétences de plus en plus étendue, et le référentiel du réseau européen de master européen de traduction, il importe aussi et tout autant de s'assurer d'une maîtrise suffisante des outils fondamentaux du langage verbal et des mathématiques. Notre expertise, elle plonge ses racines dans les savoirs de base. Lire, écrire, compter. Et il y a parfois du travail à faire, par exemple, dans le commentaire ici. C'est une évidence. C'est une évidence et c'est une grande banalité. Ensuite, tenir compte des données chiffrées, finalement, ça constitue la différence entre traduire un texte et traduire un document. Et entre texte et document, c'est toute la définition du service à fournir et donc la rémunération. On a l'air de parler de choses abstraites, là, mais on parle d'argent depuis le début. La rémunération et l'image du traducteur qui change. Est-ce que nous devons rester payé au volume, c'est-à-dire le plus souvent en pragmatique au nombre de mots, ou bien à l'heure, ou encore au forfait? Est-ce qu'on doit se présenter comme des producteurs de pages ou comme des fournisseurs de solutions linguistiques capables du coup de capter une plus grande part de la valeur ajoutée? Troisième conclusion, elle est heuristique. S'appuyer sur un raisonnement mathématique matiné de pensée analogique en traduction, donc ça permet, on l'a vu, de rendre justice à deux impératifs. D'une part, ne jamais renoncer à comprendre. D'autre part, mettre du concret sur les phénomènes, même si c'est du concret stylisé. Et c'est l'application d'un mode de raisonnement qui, comme dirait Jean Giono, néglige l'accessoire pour aller à l'essentiel. Et ça, c'est formulé de manière, je trouve, exemplaire dans un article de 1962 qui a valu à David Gale et Lloyd Shapley, pas sûr qu'ils soient très très connus dans cette salle, mais on ne sait jamais, le prix Nobel d'économie en 2012. Ils ont attendu quand même un petit peu. Et qui porte le titre aguicheur, improbable et aujourd'hui légèrement suranné de « College Admission ».
and the Stability of Marriage. Très intéressant. Et voici un extrait de la conclusion. What then? Oh, on va le traduire, tiens. Qu'est-ce que c'est, pour revenir à une vieille question, une nouvelle fois, qu'est-ce que c'est que les mathématiques? Eh bien, il semble que la réponse soit que n'importe quel argument... Je ne vais pas le traduire, ça va prendre trop de temps. Any argument which is carried out with sufficient precision is mathematical. And the reason that your friends and ours cannot understand mathematics is not because they have no head for figures, but because they are unable to achieve the degree of concentration required to follow a moderately involved sequence of inferences. Bref, y compris et surtout à une époque où les outils informatiques peuvent nous donner l'illusion qu'au fond, réfléchir, ce n'est pas indispensable. Les mathématiques viennent nous rappeler non seulement que si, c'est indispensable, mais aussi qu'on peut y arriver relativement facilement. Ce qui nous met en position d'être les garants de la qualité du produit fini. Et je crois que les Latins déjà avaient un mot pour ça qui était tuctor, et qui était un des termes qui définissait les traducteurs. Avec là encore une inversion de la proverbiale malédiction traduttore, traditore, j'ai pas besoin de vous le traduire. Donc des incidences en termes de rémunération et de statut. Et enfin, il faut garder à l'esprit que les mathématiques, donc c'est avant tout une manière de réduire l'incertitude, le flou, l'ambiguïté. Dans notre compréhension du texte de départ, on l'a vu, comme dans la réexpression du document d'arrivée. Donc, je l'ai déjà dit, mais je le répète, la traduction pragmatique, elle tend vers la monosémie. Eh bien, ça tombe bien, parce que l'expression mathématique, y compris sous forme graphique, elle se veut avant tout monosémique. Elle est un modèle à suivre. Car cette exigence de clarté, même si c'est une clarté obtenue par des moyens rhétoriques, elle fait en pratique des mathématiques, finalement, le fantasme réalisé de la traduction pragmatique. Et pour ça, il suffit de cesser d'en avoir peur. Et j'ai peut-être un petit peu dépassé mon temps de parole. Merci beaucoup pour cette ouverture qui nous place déjà, enfin qui nous pose déjà plein de questions et de raisons de réflexion. Simplification, simplicité, approche pragmatique et approche littéraire que vous opposez peut-être, si j'ai bien compris. Et là, il y a un différentiel. J'aurais une question. non, mais je ne veux pas déjà, je vais laisser d'abord la parole au public pour les questions, mais je voulais déjà vous remercier parce que vous ouvrez vraiment un univers questionnant et en même temps éclaircissant. Merci donc. Pour réchauffer l'ambiance, je vais déjà vous poser moi-même une question. Mais la question de l'opposition entre traduction pragmatique et traduction littéraire, on aura peut-être le temps d'approfondir un peu, parce que moi, je dis par exemple aux étudiants auxquels j'essaye d'enseigner la traduction littéraire qu'en fait, les parties les plus, parfois, celles qui posent, celles sur lesquelles je trouve plus d'erreurs de traduction sont justement les parties dans les romans où il y a des chiffres, et parce qu'il ne faut pas oublier quand même que les romans nous posent souvent des parties qui peuvent avoir des questions mathématiques, des chiffres, et c'est là où effectivement les traducteurs peuvent souvent tomber dans l'erreur. Mais je voulais vous poser une question un peu plus générale, à savoir
la question de la révision de la traduction pragmatique, parce que vous ne l'avez pas touché, évidemment, pour des questions de temps, mais ça me paraît quand même essentiel. S'il est vrai que la traduction pragmatique peut être aidée par les mathématiques et par toutes les solutions que les mathématiques nous offrent dans un procès d'abord de compréhension, d'interprétation et de traduction, quel rôle a pour vous ce qu'on appelle aujourd'hui le post-editing ou la révision? Est-ce que vous pensez que c'est un moment que le traducteur pragmatique peut faire tout seul? Est-ce que vous voyez l'opportunité d'avoir une équipe de traduction? Qu'est-ce que vous pensez à propos de ce moment qui me paraît quand même essentiel, parce que bon, vous l'avez fait un peu facile, mais ce parcours que vous avez proposé n'est pas nécessairement celui que tous les traducteurs suivent, ou que tous les traducteurs suivent avec les temps que l'on a à disposition. Donc, qu'est-ce que vous pensez de ce moment de post-editing? Alors, je distinguerais entre post-édition et révision. Oui. Parce que c'est finalement pas tout à fait la même, non, je sais, mais... la même activité. Oui. Mais effectivement, la révision, pour moi, c'est vraiment un moment absolument fondamental de la traduction. C'est le moment où le texte, et là, je pense que ça va être le cas dans tous les cas en traduction, c'est vraiment unificateur. Quand je traduis pour moi. Et quand je révise pour les autres. C'est au moment de la révision que le texte devient, devient quelque chose de collectif qui s'adresse véritablement à un public. Après, la question, c'est est-ce que je vais être prescriptif ou descriptif? Parce que les pratiques de révision, j'ai fait un sondage auprès des anciens étudiants de mon master sur la révision. J'ai eu énormément de réponses et il ressort deux choses. Petit un, c'est essentiellement empirique. Et du coup, il y a un vrai travail dans les formations de traduction à mener sur la révision. Et puis, les pratiques diffèrent énormément. Mais je dirais que ce qui est fondamental, c'est de se mettre d'accord. Alors, je crois qu'il est important d'être toujours révisé par quelqu'un d'autre. Il faut se réviser soi-même, mais c'est quand même pratique, y compris lorsqu'on est indépendant, d'échanger des révisions avec d'autres, parce que tout simplement, mon réviseur verra déjà des erreurs que moi, je ne verrai pas sur mon texte. Mais au-delà, c'est la grande question de la révision, finalement, c'est la question de la métaphysique, quoi. C'est qui est responsable? Est-ce que c'est le traducteur? Et auquel cas, le réviseur est juste bien apporter quelque chose? Ou bien, est-ce que c'est le réviseur qui va endosser la responsabilité, et en particulier la responsabilité des erreurs? Parce que des erreurs, on en fait tout le temps, le moins possible. Mais quand même. Et du coup, il y a toujours, en traduction, et moi j'ai vécu ce genre de situation, le coup de téléphone, d'un client extrêmement en colère parce que on a fait une grosse bêtise. Qui va assumer la responsabilité de ça? Et ça, pour moi, c'est la question de la révision. Mais parce que... Est-ce que le réviseur aura, d'un point de vue mental, suivra les mêmes procédés de simplification que vous avez suivis en tant que traducteur pragmatique? Est-ce qu'il y en a plusieurs? Est-ce qu'il n'y en a qu'un de procédés de simplification? Alors ça, c'est une colle. Je serais tenté de dire que oui. Mais là, je m'appuie juste sur mon expérience personnelle. Et est-ce qu'elle est représentative de l'ensemble des pratiques de la traduction? Je suis pas certain. Mais je pense. Alors là, peut-être que je ferai une autre différence, c'est entre révision et relecture.
C'est-à-dire que la révision, bon, c'est vraiment un travail approfondi sur le texte. On vérifie un certain nombre de paramètres. Et puis à la fin, on va relire juste le document d'arrivée. On va voir si ça coule et si ça tient, comme dirait l'admiral, là encore. Et là, certainement, on va simplifier. On va simplifier, ou d'ailleurs, on va expliciter certaines choses qui n'étaient pas suffisamment claires. Mais effectivement, c'est le dernier polissage du texte qui est peut-être, au niveau stylistique, en tout cas, celui qui permet de simplifier ce qui doit encore l'être. C'est comme une fois qu'on a fait le ravalement d'un immeuble, quand on enlève les échafaudages, quoi, la relecture. Et ça, c'est de la simplification pour moi. Personnellement, je n'avais pas une question, c'est vraiment un commentaire et un remerciement. Et ça concerne le fait que tu as dit beaucoup mieux que je n'arrive à le faire les mêmes choses que j'essaye d'expliquer à mes étudiants en cours. Donc, je crois que ceux qui sont là parmi vous vont avoir reconnu un peu comment dire, mon point d'arrivée. Hein. C'était très intéressant et je partage tout à fait cette idée des mathématiques comme, alors je ne vais pas dire comme aspect reposant de la traduction, mais certainement comme quelque chose qui va nous permettre d'avoir un ancrage à la réalité, ce qui en traduction pragmatique est absolument indispensable. Donc, merci parce que mes étudiants vont savoir qu'il n'y a pas que moi qui pense ça. Merci beaucoup. Non, mais on l'entend. Je relance sur les mathématiques dans un rapport avec la réalité. Moi, ce que j'ai retenu, c'est que les mathématiques sont là pour nous rappeler que penser est fondamental. Et pour moi, c'est le message que je reprendrai. Plus qu'un rapport concret avec la réalité, bien sûr, mais c'est grâce à la réalité peut-être qu'on va pouvoir être incité à réfléchir. Je pense qu'aujourd'hui, il est bien de nous rappeler, vu justement l'apport à des outils numériques, etc. Et si les mathématiques sont là pour nous apprendre, nous entraîner à réfléchir, merci les maths. Bon, moi, j'ai un bon rapport avec les maths, donc je ne me trouve pas. Pour moi, c'est reposant en tant que tel. Pas mieux que ce n'est pas. L'exemple, ça m'a interrogé là, multiplié par 6, multiplié par 5. Ah. Je ne sais pas si. Je ne sais même pas si j'aurais fait le raisonnement. Mais si on introduit la révision comme. Pierre, admettons que le champ de l'adresse est mis 7. Voilà. La révision. Là, on a dialogue entre les deux. Et donc, est-ce qu'on verrait? Est-ce que non? Donc, il faut un exercice aussi. L'expérience qui fait qu'on s'interroge. Donc, les mathématiques nous appellent à raisonner et nous appellent, et bien sûr, le raisonnement signifie s'interroger. Et donc, peut-être, là aussi, cet élément maths qui nous dit comme ça, la traduction pragmatique et monosémique, première interprétation, 5 minutes après, elle tombe vers la monosémique. Euh...
Oui, non, non, mais c'est absolument juste. Le problème en traduction, et là, je crois que c'est une généralité absolue, c'est que on ne peut pas généraliser, justement. Il y a toujours des exceptions. Il y a toujours des cas où, dans un texte pragmatique, eh ben, l'ambiguïté est voulue. Typiquement, ça va être le cas dans les contrats, par exemple, dans les traités internationaux ou dans les normes. Moi, j'ai traduit pas mal de normes techniques et je me disais naïvement, bon, ben, ça, c'est vraiment fait par des spécialistes, ils savent de quoi ils parlent. Et donc, ça doit être des textes extrêmement carrés, simples et tout. Et en fait, pas du tout. Pas du tout, parce que les normes techniques, elles sont le fruit de confrontations de points de vue, en fait, hein, entre, par exemple, des industriels et des utilisateurs. Les utilisateurs qui veulent que tout soit le plus... je sais pas, la qualité du service fourni, de l'électricité qui sort des prises soit extrêmement possible, puis les industriels, ils préféreraient que... Voilà. Et du coup, il faut s'accorder, et on s'accorde sur du flou, y compris, alors je pourrais citer des exemples dans des résolutions célèbres du Conseil de sécurité des Nations Unies qui disent pas la même chose en anglais et en français, alors qu'on pourrait penser que... donc oui, 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 y a forcément des cas où l'ambiguïté est voulue. Ça reste l'exception. Alors, je suis d'accord, elle tend vers la monosémie, mais son idéal, je dirais, est monosémique, et puis après, il y a la réalité qui intervient et qui fait que, ouais, c'est souvent un peu plus compliqué, et la question à se poser, c'est, ok, c'est flou, là, dans le texte de départ, mais est-ce que c'est l'auteur qui ne s'est pas bien exprimé, et on lui pardonne ? Parce que souvent, nos auteurs, c'est pas leur métier d'écrire. Leur métier, c'est de faire de l'analyse financière ou du bâtiment ou des choses comme ça. Voilà, ils peuvent s'être pas très bien exprimés et donc je dois interpréter. Ou alors, est-ce qu'au contraire, ce flou est intentionnel ? Et ce qu'on traduit, c'est de l'intention. C'est de l'intention et une intention qu'on va prêter à l'auteur. Et c'est pour ça que, effectivement, discuter, si c'est possible, avec l'auteur ou au moins avec des experts, est vraiment fondamental. C'est un art de la négociation, la traduction. Et ça rejoint aussi ce que tu disais au sujet de la révision. Effectivement, entre traducteurs et réviseurs, il faut discuter parce que le réviseur n'est pas plus omniscient que le traducteur. Il peut très bien introduire des bêtises. Et ça renvoie à la question de la responsabilité. Une question toute bête en révision, c'est qui introduit les corrections ? Est-ce que c'est le réviseur, auquel cas on peut penser qu'il n'y aura pas d'interaction avec le traducteur, ou est-ce que c'est le traducteur qui fait un nouveau contrôle ? Donc oui, tout à fait, tout à fait. Elle tend vers la monosémie. Mais elle aimerait tellement vivre dans un monde monosémique.